Mon gars, là aujourd'hui, je suis triste. Mais je suis pas triste, tu vois. J'ai les morts, en fait. Je comprends pas, là. Comment cette équipe, elle fait? À chaque fois, tous les matchs de Champions League, on se dit, ils vont sauter, c'est fini pour eux, ils vont être éliminés. Je sais pas comment ils font, mais à chaque fois, ça y est, à chaque fois, ils réussissent à retourner l'ascenseur, genre à réagir. Une équipe à réaction. Mais en tout cas, les frérots du Real, merci. Merci, hein, parce que cette année, tous vos matchs de Champions League sont des masterclass. Celui face au PSG. En 13 minutes, vous vous qualifiez. Celui face à Chelsea, Benzema, il vous qualifie. Aujourd'hui, le stade, l'équipe, votre histoire vous permet de vous qualifier. Rien à dire, hein. Je peux que vous envier et que vous dire que franchement, bravo. Bravo Real les gars ce soir parce que jamais avec ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu du match aller. Jamais de la vie, jamais, je vous dis, jamais de la vie, j'aurais pu penser que le Real allait se qualifier avant de voir ce match aujourd'hui de Manchester City. Real Madrid aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur match de la Champions League au fait. J'ai pas vu les matchs, tous les matchs de poule du Real, mais avec tous les matchs que j'ai vus du Real en phase à élimination directe de la Champions League, pour moi, c'est leur meilleur match. On a vu une équipe du Real Madrid aujourd'hui, en début de match, qui montrait qu'ils avaient vraiment envie d'aller chercher la qualification. Contrairement au match retour Real PSG, on avait vu que directement, dès la première période, le PSG avait carrément mis le pied sur le ballon. Mais là, aujourd'hui, on a vu une équipe du Real, quand même, en première période, qui s'est procuré des occasions, même qui valaient des buts, hein. Les deux occasions de Karim Benzema. L'occasion de Vinicius Junior. On avait vraiment un Real Madrid qui montrait que fallait le prendre au sérieux aujourd'hui et qu'ils n'allaient pas seulement marquer sur les erreurs de City. Mais après, on s'est dit, ça y est, le Real n'arrive pas à cadrer de tirs dans toute la rencontre. Hein. On part à la mi-temps et tout ça. On a eu une belle frappe de Foden et une grosse occasion de Bernardo Silva. On part à la mi-temps, on revient à la pause. On a un City qui commence quand même à plus rentrer dans le match. Regarde Mahrez qui ouvre le score pour City avec un magnifique but. Je me suis dit là, ouais, ça, là c'est bon, ça y est. City, on aura une finale City-Liverpool. On aura bah, la finale que tout le monde attend. Hein, parce qu'on se dit, à aucun moment, le Real, ils ont fait un beau parcours. C'est vrai, mais City, ils vont passer et qu'on aura une finale City-Liverpool. Les deux. Le gros club de première ligue aujourd'hui, ils vont jouer la finale. On aura une finale anglaise. Et là, on a un Man City qui commence à mieux rentrer dans ce match. On a un Grealish qui rentre. Grealish qui a été acheté pour je sais pas combien de millions d'euros. Mais le mec, franchement, son transfert, c'est une totale flop. Hein. Parce que le mec, même à City, il n'est même pas titulaire. Il n'a rien apporté aujourd'hui. Il a juste eu deux grosses occasions. Thibaut Courtois les a sortis. Mendy aussi a fait un gros sauvetage et tout. Donc voilà. Mais malgré tout ça, on se dit à aucun moment. City peut craquer au fait. Parce que face au match retour face à l'Atlético Madrid, on a eu une équipe de City qui a su gérer son fin de match, qui a su empêcher l'Atlético de tout simplement de marquer. Donc on s'est dit, ah, ce soir, ça va être plutôt tranquille pour City. Voilà. Mais les gars, au fait, plus je regarde les matchs du Real en Champions League, plus je me dis quand même, on a beaucoup parlé sur le PSG. Hein, parce que. En fait, le PSG, le fait qu'on a beaucoup parlé, c'est qu'on s'est dit, avec le mercato qu'ils ont réalisé, l'équipe du PSG valise chaque année, voilà, ils perdent en huitième de finale et tout ça. Mais au fait, lorsque vous regardez le parcours du Real Madrid, je me rends compte que maintenant, c'est pas du tout un hasard, au fait, le fait que les grosses équipes craquent face au Real, au fait. Ils ont un truc, je sais pas c'est quoi qu'ils ont, je sais pas si c'est, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont cette saison, je sais pas si c'est une réussite de ouf. Ou s'ils ont une chance de malade. Mais en fait, les frérots du PSG,
c'est pas, en fait, c'est pas de votre faute au fait que le PSG était éliminé, le rat de Donnarumma et tout ça. Ce soir, on a eu une confirmation que le Real, c'est vraiment, ils ont vraiment un truc en plus. Et les mecs, ils réussissent à égaliser et dans la foulée, ils mettent une telle intensité, un tel engagement, le stade et tout. Madrid, c'est vraiment un grand club à la Madrid, mais ils arrivent à égaliser, ils passent devant un score 2-1. Prolongation, les gars. Début de prolongation, on tame folle. Benzema, Karim Benzema dans tout le match. T'as eu certaines occasions, mais il n'a pas eu le temps de cadrer et tout ça. Benzema, il a encore marqué ce soir, les gars. Sur la faute, sur le pénalty, c'est lui. Il trompe pas. Il transforme le pénalty, hein, contre-pied. Parfait, mais parfait. 3-1. Même à 3-1, je me disais quand même que j'y croyais toujours que le Real allait pas se qualifier. Je me disais, ouais, 3-1. City, ils vont rentrer dans leur match. Prolongation, il reste encore 25 minutes. Ils vont revenir, ils vont égaliser, ils vont battre le Real. Malgré tout ça, hein, Carlo Ancelotti, pendant ce temps-là, le mec, il décide de faire sortir Kabenobé. Je me dis, mais pourquoi il fait ça, Carlo Ancelotti? C'est quand même dangereux. Benzema, c'est le capitaine, c'est le leader du Real. Tu sors ton leader comme ça, est-ce que c'est pas un peu dangereux? Mais malgré ça, le Real a tenu, mon gars. Sans oublier un grand Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur gardien de la Champions League. Il nous a trop montré que c'est lui qui mérite ce trophée-là, en fait. Face au PSG, il est monstrueux. Face à Chelsea, il est monstrueux. Ce soir, il est plus que monstrueux, mon gars. City, c'est une équipe aujourd'hui. Directement, même lorsqu'on a vu le début du match, on a su que City n'allait pas ressortir le même match que lors du match que, lors du match lors du match aller. On a vu une équipe de City qui avait du mal au milieu de terrain, Kevin De Bruyne qui n'était pas vraiment chaud aujourd'hui, même si on avait le retour de João Cancelo, de Walker, qui ont fait quand même un tout petit peu du bien en fait à la défense de City en début de match. Kyle Walker qui arrivait par moments à contrer Vinicius, même si à la fin du match et tout, c'était galère pour lui. Un João Cancelo qui était juste en défense. On a eu aussi du côté du Real un Casemiro. On a vu vraiment l'importance de Casemiro au Real de Madrid, hein, parce que Mascherano n'était pas là. Mais ce soir, Casemiro, je ne sais même pas s'il termine le match avec un carton jaune, parce que le mec, il a tellement eu de la chance. L'arbitre aussi qui laissait beaucoup jouer. C'était vraiment un big match. Mais le Real, les gars, hein, comme toute attente. Ils ont déjoué tous les pronostics qui sont qualifiés. Bravo, franchement. Hein. C'est un truc de ouf, en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Je crois même pas. Là, je me dis comment. Est-ce que c'est l'équipe de City qu'on a vue? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ouf, en fait. C'est ouf, en fait. Et là, aujourd'hui, tout le monde vous envie, les supporters du Real. Hein, parce que là, vous remportez la Liga. Semaine de ouf pour vous. Vous enchaînez avec une victoire là face à City. En plus, une victoire face à City. Hein. C'est même pas une victoire 2-1 ou 1-0, c'est une victoire 3-1 en fait. Vous battez l'équipe de City 3-1, les gars. Vous vous qualifiez pour la finale. Je ne sais pas c'est laquelle finale du Real encore. Attends, je crois qu'en 2014, ils ont une finale, ils la remportent. Pour 2015, c'est le Barça. 2016, 2017, 2018, c'est le Real. Donc, ça veut dire en moins de 10 ans, vous allez jouer ouais, votre cinquième finale de Champions League. Hein. En moins de 10 ans. Cinquième finale de Champions League. C'est ouf. C'est ouf. Totalement ouf. Une équipe sans Cristiano Ronaldo. On s'est dit, ouais, Ronaldo, il est parti du Real. Par moments aussi, lorsque on a eu le départ de Ronaldo au Real, c'était galère pour le Real. Du même côté aussi, c'était aussi galère pour Cristiano Ronaldo en Champions League parce qu'on s'est dit, Ronaldo, le Real, c'était une union en fait. Les deux, ils avaient besoin d'eux pour progresser en Champions League. Et malgré ça, vous partez en finale de Champions League avec une équipe vieillissante, hein, parce que votre équipe, il n'y a que des cadres, des joueurs qui sont en fin de carrière. Malgré tout ça, il y a des jeunes aujourd'hui comme Camavinga qui ont vraiment assuré, Rodrigo qui ont vraiment assuré. C'est un truc de malade. Casemiro, Kroos, Modric, Carvajal, Marcelo, des joueurs qui sont toujours là dans le club, Benzema, malgré que ce soit des joueurs qui sont vraiment en fin de carrière, ils permettent à cette équipe du Real d'aller en finale. Mais bon, moi je pense qu'avec le parcours que vous faites, la Champions League, même vous,
Ça y est, vous allez la remporter, les gars. Ça y est, moi, je vais arrêter de supporter les adversaires du Real. C'est bon, j'arrête là. Remportez la finale, les frérots, et rendez fiers votre club et les supporters et tout ça. Finale, Liverpool-Real, je vais regarder le match comme ça. Je ne supporterai aucune équipe parce que le Real, franchement, il mérite tellement cette compétition. Ils ont tellement tout donné. Ils ont tellement été grandioses. Tous les matchs du Real, c'est des masterclass, les gars. Hein. City, Chelsea, PSG, peut-être même les matchs de poule aussi ont été des masterclass, je sais pas, mais c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Surtout, moi, il y a un joueur que j'ai grave aimé son match aujourd'hui, c'est celui de Thibaut Courtois. Il m'a vraiment impressionné durant tout vos parcours de Champions League. C'est vraiment ouf, au fait. C'est vraiment ouf. Malgré le départ de Sergio Ramos, de Varane, ça y est, c'est ça qui est ouf, au fait. Vous perdez tous vos big joueurs. Là, vous perdez votre charnière centrale. En une année, là, même pas une année, la saison qui suit, Militao Alaba qui arrive du Bayern, Nacho, Carvajal, une défense même qui vous avez même des défenseurs lorsqu'on va enfin un classement des 10 meilleurs défenseurs au monde qui sont même pas dans cette liste. Mais vous, avec cette équipe, pas trop ouf au fait. Les noms sont ouf, mais ces dernières années, ces joueurs-là nous ont pas habitués à ce style de match, à ce rythme, à sortir ce style de match au fait. Mais malgré tout ça, vous vous qualifiez. Le Barça, regardez bien, parce que là, nous, les supporters du Barça, on a la haine. Mais malgré tout ça, vous méritez tellement le Real. Après, la haine, elle part. Parce que là, y a même, on peut même pas avoir de haine face au Real, en fait. Parce que les mecs, ça y est, ils ont fermé la bouche de tout le monde. Personne ne peut plus parler. Il vous reste maintenant un dernier gros challenge face à Liverpool. Là, personne ne peut vous dire que Liverpool peut vous faire peur. Parce que là, c'est bon. Là, vous pouvez attaquer ce match face à Liverpool avec une grosse confiance. Vous pouvez la remporter. Il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Là. Ça, vous empruntez le chemin d'une équipe qui va vers la victoire. Et c'est l'un des meilleurs parcours en Champions League avec celui de ces dernières années-là, avec celui de l'Ajax, qu'on a vu. L'Ajax avait éliminé le Real et tout ça, qui est arrivé en demi-finale et qui a perdu contre Tottenham. Mais là, c'est l'un des meilleurs parcours de la Champions League, au fait. Carlo Ancelotti, hein, franchement, très grand coach. Avec l'effectif qu'il a, il a réussi à mettre un truc en place qui a tenu durant toute la Liga. Là, en Champions League aussi, qui a tenu. Tout le monde vous a sous-estimé, hein, parce que je sais pas pourquoi on vous a sous-estimé. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas, on s'est pas dit que dans votre équipe, il y avait une grosse putain de star, mais malgré tout ça me fait penser un peu à l'équipe de Chelsea en 2012, où Chelsea ils vont en finale face au Bayern et ils remportent la Champions League. C'était un peu pareil. Hein. Personne ne s'était dit cette année-là que Chelsea allait en finale de Champions League. C'est un peu le même parcours en fait. Un peu même parcours, Chelsea, ils ont galéré cette année-là face à Naples. Ils arrivent à passer, ils arrivent à éliminer le Barça. Personne ne se dit que Chelsea peut éliminer le Barça. On a le but de Torres là, qui vous vous rappelez où il dribble Valdés et il marque et tout ça. Après, on a le but de Drogba en finale face au Bayern. Mais là, je pense que ça sera pareil, les gars. On aura un but de Benzema en finale qui va vous permettre de remporter le trophée. Mais ce serait tellement beau si Benzema. Genre le 28 mai, on voit Benzema soulever la Coupe de la Champions League. Ce serait vraiment une image de malade. Bon, en tout cas, les gars, vous avez Karim Benzema, gardez-le bien et récompensez-le de ouf. Il mérite tellement de temps, le gars. Il a eu même droit à un tifo aujourd'hui, les gars. Magnifique, magnifique. Je suis les frérots. Hein. Force à vous, les gars du Real. Vous méritez tellement cette Champions League. Je parle du fond de mon cœur. C'est vrai. J'ai supporté Man City, j'ai supporté Chelsea. J'ai voulu que vous n'ayez pas cette finale. Mais là, vous avez fermé la bouche de tous les gens qui rageaient contre vous. Hein. Là, moi, je peux que vous supporter et que vous souhaiter bonne chance. Et allez remporter cette finale face à Liverpool. Hein. Vous avez fait tout le chemin, tout. On vous a ramené des soldats, vous avez tout terminé. On vous a ramené des fourmis, vous avez tout balayé. Là, il ne vous reste que Liverpool. Et moi, je pense que le pire adversaire que Liverpool pouvait avoir entre City et le Real, je pense que c'est le Real. Ça va être chaud, ça va être un match très sérieux. On a hâte de cette finale, les gars, le 28 mai. Real de Madrid, Liverpool, je crois qu'on a eu cette finale-là en 2018, si je ne me trompe pas, en 2018. On aura un remake de cette finale, les gars. Et donc, les héros, prenez soin de vous, prenez soin de la famille, ou pas les héros, restez toujours positifs, peut-être les gars ensemble. Allez, peace!